Comprends là. Mais les gens sont courageux, ils viennent encore mettre sur la table que les présidents, le président, c'est quoi le président? Nous avons expliqué suffisamment ici sur le plan de la science géopolitique ce qu'on peut attendre d'un président africain, ce qu'on peut pas attendre de lui. Ce ne sont pas les présidents africains qui sont allés s'asseoir pour faire le complot, pour décimer l'humanité. Ce ne sont pas les présidents africains qui veulent diminuer la population de la planète. Ce ne sont pas les présidents africains qui veulent transformer l'homme en faire un joueur dans les mains du capital et des petits sorciers, les sept sorciers qui veulent diriger le monde. Les Rothschild, les Bill Gates, la reine d'Angleterre, toute cette bande-là, de voyous, ces gens-là. Il n'y a pas un président africain dans le complot. Donc l'OMS a fait quoi? Bachir, prenons les principes simples, élémentaires, qu'on comprenne que cette organisation, c'est l'organisation de criminels. Et qu'un Africain sérieux ne peut plus remettre sa santé. Vous voulez m'interrompre? Oui, le mot, il est assez fort. Je peux continuer? Vous continuez. Le mot criminel, il est assez fort. Tout simplement. On continue, président Bandakane. C'est vous qui assumez ça, hein? On continue. Dédonner Afrique Média, c'est Bandakane qui parle. Très bien, nous poursuivons. Et si le petit voyou qui est directeur de l'OMS veut démentir le contraire, il vient ici. Ou bien qu'il envoie sur le plateau Yaoundé, il vient ici. Et on va faire un débat même sur les protocoles scientifiques de l'OMS. Je vais vous démontrer devant lui ce que je viens de vous dire. Non, pas la monde, mais je ne te cache pas. Je dis que je dis que si l'OMS, son représentant, est un représentant à Yaoundé, qu'il vienne ici, je vais démontrer pourquoi je dis que c'est l'organisation criminelle. Et qu'aucun Africain, aucun être humain sur Terre ne doit plus accorder la moindre confiance à cette organisation de criminels. Monsieur Bachir, ce sont des faits. Et je donne des éléments. J'amorce un argumentaire. Parce que nous sommes en train de réunir beaucoup d'éléments. Et on va rendre ça public. Éléments inattaquables. Monsieur Bachir, la médecine moderne est fondée sur la confiance. C'est la confiance entre un médecin et celui qui est malade qui déclenche le processus de guérison. Ce n'est pas tant le remède que vous donnez à celui qui est malade que le soin. C'est la confiance. Il faut qu'il croie que le médecin est capable de le soigner. Et tout médecin sait, M. Bachir, que quand vous êtes affaire à quelqu'un qui est en péril sur le plan sanitaire, première chose, c'est de le rassurer. C'est de lui dire que non, tu vas guérir. C'est de lui dire que tu as les capacités de guérir. Et avec la médication que je vais te donner, qui n'est qu'une part de la guérison vient de toi. Il faut prendre ça à l'OMS. Donner de leçons avec tous les savants qu'il y a là-bas, les docteurs, professeurs en virus, tout ce que vous voulez. Première raison de l'OMS quand Covid commande, c'est de dire aux Africains, préparez-vous au pire, Bachir. Est-ce qu'on dit ça à quelqu'un qui est menacé par une urgence sanitaire? Quand je dis que c'est une organisation criminelle, vous voulez m'interrompre, je suis poli, il faut les fusiller. Ah, président. Je dis qu'il faut les fusiller. Non, allez, on ne va pas aller jusque-là, je vous en prie. On ne va pas aller jusque-là. Oui. On va pas aller jusque-là. Parce que maintenant, le Covid n'a pas encore tué tout le monde. Ils vous parlent des vagues, non? Ils ont programmé par vagues. Quand 1 million de personnes vont mourir d'un jour, 6 millions de personnes vont mourir, vous n'attendrez pas comme vous allez le fusiller. Vous allez envahir leur bureau et leur couper la tête. Parce que c'est ce qu'ils méritent, ces gens-là. Maintenant, on fait la politesse. Est-ce que l'OMS a le droit? Où sont les médecins du monde entier pour dire à ces gens de foutre le camp? On a le droit de parler comme ça, les gens qui sont menacés par une maladie. Qu'attendez-vous au pire? Quand vous le faites, vous les désarmez sur le plan psychologique. Ils ne sont plus en capacité de collaborer pour le traitement. C'est moi, Bandakani. Vaut rien de mon état petit, il était qui doit prendre ça au docteur et savant de l'OMS. Monsieur Bachir, vous parlez de quoi? Est-ce que je reste avec vous, est-ce que cette attitude, ou plutôt cette déclaration de l'Organisation mondiale de la santé, n'aurait pas aussi aidé quelque part les Africains à prendre davantage conscience de ce qui était préparé, je reste dans votre logique, contre eux? Il fallait donc commencer à dire ça aux Européens, qui eux, ne devaient pas s'attendre au pire, étaient dans le pire. L'OMS a fait semblant de ne pas voir. Mais comme le plan c'est toujours l'Afrique au sein de décimer les Africains, ils vous ont dit ça. Vous me demandez, moi, Bandakane, respecter des voyous comme ça? Avec le voyou qui est à l'ONU, le voyou que vous appelez Guterres, les mêmes choses. Mais Bachir ouvre les oreilles. Il y a le danger, on voit comment les gens meurent en Europe par millions de personnes. Ils ne disaient rien. On dirait qu'ils ne veulent même pas, ils ne disaient rien à l'Europe pour les assister. Donc l'Europe qui est en train de mourir n'a pas besoin d'assistance. L'OMS avertit un continent. Préparez-vous au pire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Bachir? On vous a préparé le pire. Et vous n'y échapperez pas. Vous n'échapperez pas. Voilà pourquoi je dis que c'est une organisation criminelle. Ce n'est pas une injure. Alors jusqu'ici... Je désigne ce qu'ils sont simplement, M. Bachir. Jusqu'ici, est-ce qu'on peut dire quand même que l'Afrique est en train de déjouer cette... Vous voulez dire quoi? Le fait sont là. L'OMS devait...
s'ils étaient déjà sérieux, oui. ils écriraient d'abord une lettre d'excuse publique aux Africains pour dire que sur le plan déontologique, nous avons échoué d'abord. Parce qu'on ne devait pas faire ça. Et de deux, nos prévisions sont fausses. Mais comment avez-vous fait? Dites-nous un peu quelle est la magie qu'il y a chez vous là. Comment est-ce que vous faites chez vous là? Voilà. Un continent qui n'a rien, qui n'a pas de structure médicale, comme ils disent. Parce qu'ils ont dit que la meilleure médecine du monde, c'est la médecine moderne conventionnelle. Est-ce qu'ils ont dit? Donc si tu n'es pas dans ça, tu ne vaux rien. Ouais. Nous constatons que la médecine conventionnelle ne protège pas les Européens qui se vantent de l'avoir. Mais nous, les Africains qui n'avons rien, parce qu'on est dirigé par des feignants, tout ce que vous voulez, machin là, nous résistons. Ça veut dire que si l'OMS était déjà sérieux, il réfléchirait qu'il faut élargir le concept de médecine. Et ne pas réduire ça au bricolage des machins qu'on fait dans les comprimés, tout ce que vous racontez dans leur vaccin de sorcier. Pour élargir le côté, non, la médecine, c'est plus que ça. Il y a des sagesses traditionnelles. Il y a des barrières psychologiques. Il y a des barrières spirituelles qui intègrent la médecine. Et qu'il faut être humble, à un moment donné, quand on parle aux gens de ces choses-là. C'est bâché. Je suis en colère. Ce qu'il y avait à faire, c'est de détruire, d'aller casser leur du bébé. On va pas arriver là. Laissez-moi finir.